Bonjour, je m'appelle Caroline Hinault, je suis autrice, romancière et je vais vous parler de mon deuxième roman qui s'intitule Traverser les forêts, publié aux éditions du Rouergue en mars dernier. Alors Traverser les forêts, c'est un roman qui parle du destin de trois femmes, de trois âges et de trois nationalités différentes qui sont reliées par une seule et même forêt à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Une frontière qui n'est jamais nommée, une forêt pardon, qui n'est jamais nommée, mais qu'on devine être la forêt de Białowieża, qui est une des dernières forêts primaires d'Europe. Et ce qui m'intéressait énormément dans ce lieu, au moment où je me suis mise à écrire, c'est d'abord évidemment qu'il s'agit donc d'une des dernières forêts primaires d'Europe, donc un lieu fascinant d'un point de vue écologique, surtout à l'heure de l'urgence climatique, de l'effondrement du vivant. Donc un lieu qu'il faut défendre, dont il faut parler, dont il faut dire la beauté, la nécessité, la complexité aussi. Donc il y avait ce premier enjeu de parler de cette forêt. Et puis c'est greffé sur cet enjeu, un enjeu géopolitique, puisque la violence du monde est venue vraiment me frapper de plein fouet à travers une crise migratoire orchestrée par la Biélorussie à l'été, l'automne 2021, où vous vous rappelez peut-être, le régime biélorusse a fait venir des réfugiés du Proche-Orient, du Moyen-Orient, d'Afrique, en leur promettant un visa pour l'Europe, et les a finalement, alors la Biélorussie avec l'appui de la Russie, c'était juste avant la guerre en Ukraine, et a fait venir ces gens en leur faisant vraiment miroiter une autre vie, un passeport, etc. et les a en fait abandonnés dans cette forêt. Et au moment où en fait je me suis rendu compte que dans ce lieu il y avait tous ces aspects très protéiformes, très différents, un lieu qui est vraiment un sanctuaire de biodiversité, un lieu magnifique et en même temps un lieu qui peut devenir une espèce d'enfer sur Terre, même un cimetière, qui l'est encore à l'heure où nous parlons, puisqu'il y a encore des personnes en situation de migration coincées dans cette forêt. Je me suis dit qu'il était important d'écrire dessus et d'avoir un troisième regard qui était celui de l'écriture, qui était celui de ce qui, moi, m'intéresse, m'anime dans l'existence et qui est celui du langage. Et donc, comment le langage, peut-être la poésie ou en tout cas l'écriture romanesque, les mots, la parole, pouvaient se saisir de ce qui se joue dans notre monde contemporain, les enjeux écologiques, politiques, migratoires, géopolitiques, et comment il y a aussi un enjeu poétique, il y a aussi un enjeu du langage à saisir la complexité du monde dans lequel on vit pour en dire quelque chose, peut-être d'une manière différente que le langage médiatique, journalistique, voilà, ou quotidien. Donc ça a été vraiment ma porte d'entrée pour ce sujet qui est quand même délicat. C'était trouver une écriture, trouver une langue pour donner à vivre, à entendre, à sentir, à ressentir cette forêt, littéralement. Donc c'est vraiment une écriture de la sensation. On est vraiment dans la peau de ces trois femmes qui sont dans cette forêt pour des raisons très différentes. Un des personnages est une jeune migrante, donc elle vit cette forêt comme un enfer. Le deuxième personnage, qui s'appelle Nina, est une femme polonaise d'une quarantaine d'années qui a toujours vécu là et qui aurait voulu partir et qui n'est pas partie, donc qui, elle, remâche un peu sa frustration et vit cette forêt comme un purgatoire. Et le troisième personnage, c'est une journaliste biélorusse qui s'est exilée volontairement dans cette forêt pour fuir, enfin qui a choisi cette forêt, mais qui s'est exilée pour fuir l'autoritarisme du pouvoir biélorusse, comme c'est le cas dans la réalité de la plupart des journalistes biélorusses. Et elle est là en quête d'une forme de paradis. Voilà. Et donc, j'insiste sur ces notions d'enfer, de purgatoire et de paradis. Alors, non pas à titre vraiment religieux, mais parce que le texte de Dante, notamment la Divine Comédie, a été une sorte de guide dans l'écriture de ce texte. Et qu'on connaisse le texte de Dante ou pas n'a pas d'importance. Il est comme une espèce de jeu de piste aussi poétique dans le texte lui-même. Je suis née à Saint-Brieuc, donc je suis briochine d'origine. Je vis à Rennes actuellement, je suis professeure de français dans la vie. Je travaille dans un lycée à Rennes et donc j'ai publié trois livres aux éditions du Rouergue,
deux romans. Le premier roman s'intitulait Solac et c'était un huis clos déjà dans un lieu très atypique puisque c'était sur la banquise au nord du cercle polaire arctique. Et donc ce deuxième roman traversait les forêts qui se situent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Et j'ai publié un troisième texte qui est très différent, qui est un récit essai féministe sur la question du corps et de la grossesse notamment. Thank you.